Le remontage, c'est parti. Donc, le support moteur, il est remonté. La partie où il y a les passages des six vitesses, là, c'est remonté. L'attelage, la partie que j'ai ressoudée, c'est également remonté. Les roues, c'est des roues qui m'ont été vendues avec. Donc ce ne sera pas les roues qui iront dessus lorsque je l'utiliserai. Parce que je compte bien l'utiliser quand même. Là, il y a un crochet caché qui sert aux accessoires. Il n'est pas facile à voir. En fait, il est là-dessous. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc la visserie. J'ai pris la décision de garder les vis que j'avais pas en neuf. Et de mettre de la visserie neuve, donc c'est beaucoup d'écrous et beaucoup de rondelles. De toute façon, les rondelles frein, j'ai mis de la neuve d'office. Et un peu de visserie inox, surtout de l'électrozinguer. Bichromaté, j'en ai pas. Donc électrozinguer, inox et rondelles neuves. Donc voilà la vue d'ensemble du pépère. Voilà, prochaine.